Bonjour à tous, c'est Alain Crouvisier, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui ce samedi 7 janvier 2023 pour un nouveau bulletin sur les six massifs français. Alors l'enneigement est de plus en plus pauvre en ce début d'année en raison de la douceur qui persiste depuis maintenant 3 semaines. On relevait par exemple 2 cm de neige en bas des pistes de Baye ce samedi 7 janvier 2023, 35 cm de neige en bas des pistes de Besse-Super-Besse ou encore 20 cm de neige en bas des pistes de la Bresse-Honnec. Alors précisons évidemment que pour ces trois secteurs précités, il s'agit uniquement de neige artificielle. Sur les Alpes du Nord, l'enneigement est également fortement déficitaire pour la période en moyenne montagne, avec 31 cm de neige relevés en bas des pistes de l'Alpe d'Huez, et on pourrait également noter les 30 cm observés en bas des pistes de Pralou dans les Alpes du Sud, sur le massif du Quiraz plus exactement. Mais la bonne nouvelle du jour, c'est que la neige va enfin revenir, parfois en abondance dès la moyenne montagne, car la synoptique va évoluer. On sera alors sous l'influence d'un courant océanique progressivement plus frais. Ce lundi, les valeurs à 850 hectopascales, sont environ 1400 mètres à l'air libre, seront comprises entre moins 2 et moins 4 degrés, avec par conséquent des flocons qui réapparaîtront jusqu'à basse altitude. Dans le détail, ce dimanche, les conditions seront très instables sur nos massifs, plus particulièrement sur la partie interne des Alpes du Nord et sur la partie méridionale des Alpes, où la neige tombera en abondance dès la moyenne altitude. Lundi, on restera sous ce régime de giboulée avec une limite pluie neige qui chutera progressivement jusqu'en basse montagne. Voici justement les quantités de neige attendues ou en tout cas simulées par le modèle ICONE. Ces cumuls ne sont pas à prendre au pied de la lettre. On devrait relever toutefois d'ici mardi 6h jusqu'à 60 cm de neige au-dessus de 1800 mètres sur l'est des Savoies, entre la Haute Tarentaise par exemple et le Mont Blanc, 15 à 25 cm de neige sur l'est des Savoies vers 1200 mètres. Sur la partie externe des Alpes du Nord, là, les précipitations seront moindres, on devrait donc seulement relever 15 à 20 cm de neige au-dessus de 1800 mètres entre la Chartreuse et le Vercors. Sur les Alpes du Sud, on attend entre 30 et 40 cm de neige au-dessus de 1700-1800 mètres entre le Champsaur et le Pelvoux. Sur les Vosges, le Jura et le Massif central, là on devrait relever entre 10 à 15, 20, voire 20 cm de neige supplémentaires, ou ponctuellement 25 cm de neige côté Jura. Et enfin, sur les Pyrénées, on attend entre 25 et 35 cm de neige sur l'ouest de la chaîne au-dessus de 2000 mètres. Mardi, une nouvelle perturbation concernera notre pays. Toutefois, elle sera assez peu active, si bien que la partie méridionale des Alpes pourrait échapper aux précipitations. Il neigera toutefois à plus haute altitude, car un nouveau redout va se mettre en place. La couche de neige tombée à basse altitude pourrait donc rapidement disparaître. Ensuite, nous resterons sous l'influence de ce courant d'ouest-sud-ouest plus ou moins humide, avec une limite de neige qui oscillera entre la moyenne et la haute montagne. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve mercredi pour un nouveau bulletin sur les six massifs français.